tout le monde, bon vendredi à vous, j'espère que ça va bien, et le micro est pas là, hop là, salut tout le monde. Hey, il manquait un truc. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, bon vendredi à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, ça me fait plaisir de vous retrouver en cette fin de semaine. Je suis un peu l'annonciateur du... Je suis un peu l'annonciateur du week-end, des bonnes nouvelles de la grâce mat. Me voir, c'est un peu comme le Père Noël du week-end. Ah, j'espère que ça roule, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Mais pourquoi il me parle dans les oreilles en fait, la musique? C'est la musique de Metal Gear. Donc ouais, j'espère que tout va bien. Ici, ça, bah, écoutez, ça se passe pas trop mal. Vivement les vacances. Comme d'habitude, on est toujours là. On se retrouve en ce vendredi soir. Ce soir, on va se faire un peu d'Assassin's Creed et puis on va papoter, on va voir un peu ce qu'il va y avoir. Putain, si vous me faites penser, j'ai oublié de parler à Terry pour la Dreamcast. Je vais faire un texto de suite. Salut Calmandris, comment tu vas? T'as pas streamé aujourd'hui? J'en profite, je voulais faire un message à Terry. Hop. J'ai oublié de te demander. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Calmandris? Tu as pu blanchir. Ok. Ah, je vais streamer, je prépare ma journée au TGS. Et oui, c'est vrai que c'est demain que tu fais la tournée des Grands Ducs. Bah écoute, c'est bien cool ça. C'est bien cool. Bah écoute, prépare-toi bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va se faire un peu d'Assassin's Creed. Je voulais vous montrer aussi les quelques t-shirts que j'ai réussi à vous récupérer pour vous faire gagner. Lors de la Soro Game Award, il y a du gros collector parce que... Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Il y a le chat qui arrive à faire son écureuil. Du gros collector parce que j'ai ça à vous faire gagner. Alors ça c'est un t-shirt. Qu'est-ce qu'il y a, le chat? Le chat est en train de renifler la guirlande de Noël. Ça c'est un t-shirt Skull and Bones. Allez. C'est culte ça, non? Le jeu qu'on verra très certainement jamais. D'ailleurs, attends, c'est là, ça. Et c'est un t-shirt officiel hop, de chez Ubi. Donc il y a ça. Ouais, j'ai fait une petite déco de Noël parce que les décos digitales c'est SO 2023, donc je me suis dit que j'allais faire une déco à l'ancienne. J'ai également un t-shirt. Hop, là c'est un Far Cry New Dawn. On va gagner. Et le troisième. C'est un Watchdog Légion. Et c'est celui-là, je crois, normalement. Ouais, et c'est celui-là. Et celui-là, c'est un dev team. Donc ça, vous pouvez normalement l'avoir que si vous avez bossé sur le jeu. Donc ça fera partie des lots à faire gagner pour les Game Awards. Je vais poser ça là, il faudrait que je les plie bien. Je vais les redéplier, ce que je voulais remontrer. Je les remontrerai un peu plus tard. Pendant le live. Bon, on n'a pas trop bougé sur le... On n'a pas trop bougé sur le compteur pour atteindre les 900. Ah bon, on s'en rapproche gentiment de toute manière. Mais trêve de blabla, on va se mettre à jouer. On va allumer la Xbox. Hop là. Okay. C'est bon, elle s'allume. Puis on va basculer sur la Xbox dans pas long. Et du coup, ça se prépare bien ton déplacement? Je
choisir sa meilleure vie. Hop là, on va se remonter les accoudoirs. Quoique. Et de toute façon, on va basculer de ce côté pour jouer aux jeux vidéo. Alors, basculons sur la scène de stream. On y est. Hop. Eh ben alors, c'est bon, je suis trop manché. Oh, c'est génial ça! Pile poil! Alors. Alors. Ok. On est bon, on va ouvrir la fenêtre. Donc tu vois, nous on est passé en mode déco de Noël. On va juste ouvrir ça là. On va mettre ça là. J'en profiter pour mettre à télécharger le. Est-ce que je l'ai mis de nouveau? Non, l'image est dégueulasse. On avait rendu tout cracra. Bon, allez, on va sur Game Pass. Télécharger ça. On va télécharger ça, tout comme ça. Ah oui, il est déjà téléchargé. Parfait ça. Bon. Allez, on va lancer. Mirage. Mirage, mon beau Mirage. Mise à jour. Parfait ça. Hop là. Moi j'ai eu mon message de Kubi comme quoi mon PS5 s'est fait expédier. Alors, il part en France, etc. Mais ça arrive. Et je me suis commandé avec le Black Friday une petite carte SD pour le PS5 et pour la Dreamcast. Bon, on va laisser faire la mise à jour. On va revenir vite fait sur la cam en attendant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Non, bah écoutez, rien de nouveau. Je vous dis, voilà, les petits t-shirts que j'ai reçus à vous faire gagner. Il pourrait dire que, regarde, chez moi, inédit, ça c'est collector. Ça, il y a ça à gagner ici. Tu vois ce que c'est ou pas? Je sais pas si t'étais là tout à l'heure quand je les ai montrés. Tu sais ce que c'est ça? Hop, il est reparti. Et le chat aussi. Pendant qu'on va papoter pendant que la mise à jour se fait. Ah, mais t'étais là, mais oui, je sais pas que t'étais là. T'étais occupé, je pensais que t'étais sur ta valise. Les yeux ancrés sur ta GoPro. Et le chat. Skeletéos, c'est ça. Cranéos. Cranéos. Ça fait nom de Pokémon, ça. Je suis Cranéos. Cranéos. Hop là. Bon, bah écoute, la mise à jour se fait toujours. Donc on va se faire un peu de... Assassin's Creed, pourquoi? Pourquoi c'est éteint, Dreamcast? La Dreamcast, elle se redémarre. Oh, c'est éteinte la Xbox.
se passe. Ok, c'est éteint. Oh, j'ai dit bon, mais tu me sers pas de moi. Oui, mais en fait, faut faire la mise à jour, Jean-Michel. Oui, mais pas encore prêt. Ok, mais ok, voilà. Je t'ai même demandé quand. Ah, j'ai pas vu ça. Bah écoute, il a encore été repoussé, donc. Même chez Ubi, on sait pas à quelle date il sort. Ça sent pas très bon, ça, tu vois. Ça sent pas très bon. D'ailleurs, le dernier fail d'Ubi avec les pubs dans le jeu, c'était pas dingue. En parlant de fail, ce rien à voir. Est-ce que vous avez vu cette semaine les nouvelles sur la Sega Neptune? C'est complètement pour les rétro gamers, c'est absolument inutile. Mais des modeurs, donc je sais pas si vous avez déjà entendu parler de la Sega Neptune. Si c'est pas le cas, c'est normal parce que c'est une console qui n'est jamais sortie. C'était à la base Sega qui voulait sortir une Mega Drive couplée avec la 32X directement intégrée. Et malheureusement, elle a annoncé ça quelques mois avant la sortie de la Saturn. Donc ils ont changé les plans et ils ont annulé la sortie pour favoriser la sortie de leur Saturn. Donc la console n'est jamais sortie. Et là, des modeurs se sont mis en tête de recréer, de mettre à disposition cette Neptune. Donc vous pouvez aujourd'hui acheter une coque pour y mettre, en fait c'est compatible avec la Mega Drive 2, alors c'est mieux avec la troisième révision de la Mega Drive 2 si j'ai bien lu, mais vous pouvez y mettre votre Mega Drive 2 à l'intérieur et modder en y couplant votre 32X si vous en avez un, sinon c'est pas obligatoire, mettre votre 32X dedans et vous pouvez vous faire votre propre Sega Neptune et c'est plutôt cool. Ça pourrait dire presque chez toi que tu as une console qui n'est jamais sortie, qui n'a jamais existé, une sorte de proto. Et se la raconter un peu comme ces gars-là qui ont, ces quelques gars qui ont la Sega Pluton par exemple, la Sega Pluton qui était une version version modifiée de la Saturn, qui est pareil, où il y a quelques prototypes qui se sont retrouvés dehors et qui ont été récupérés par des gars. Où j'imagine qu'un jour sortira, on retrouvera quelque part dans un carton une katana qui était le proto de la Dreamcast, ou ce gars qui a récupéré la Sony, la Nintendo PlayStation, qui maintenant le mec, je crois qu'il l'a vendu pour un musée, mais pendant un moment il faisait le tour des conventions avec cette console prototype avec un lecteur CD qui ne fonctionne pas d'ailleurs, mais je trouve ça génial parce que ça fait travailler un peu le fantasme de nos inconscients de gamins, quoi. Ah, ça y est, ça a fini de charger. Est-ce que tu... Allez. Pouvoir se remettre sur Assassin's Creed. On va faire un petit live de à peu près un petit peu moins de 2 heures jusqu'à 18h parce que ce soir je sors. Hop, on va couper la musique. Tu l'as fini toi ? On peut passer ça ou pas ? Non, on peut pas passer ça, ok. Obligé de frapper leur vidéo. Ça, avec le chat en méga gros. Eh oui, mais je veux bien, mais je veux commencer à jouer. Le chat qui joue au bingo. Et après une semaine d'utilisation de mon nouveau SCART, de ma multiprise Péritel. Je suis assez content et je vais vous faire une petite vidéo dessus.
T'as rien compris la fin? Je sens que ça va être comme la fin du 1. Le 1, j'avais pas compris la fin. Mais le 1, elle avait pas de fin, elle était pourrie la fin. Oh, on a trouvé la pomme, ouais, c'est génial. Oh, oh là là. Oh, c'est un lien avec là là. Ok. Allez. On n'a pas fait ça. Allez. Il est un peu plus fort. Comment te sens-tu, Basim? Prêt à faire ce grand saut? Je tiens à ce que. Est-ce que on peut dire que c'est le Basim de Coq? C'est un honneur de devoir suivre la voie de novice et devenir un homme. Je te suis reconnaissant, Fulat, de m'avoir montré le chemin. J'en suis honoré. Viens. C'est bon, vous avez fini de vous lécher la poire là tenue. Merci, non, merci à toi. Non, merci, merci. Si tu veux, toi. Ah, bon. Elle te va bien. Ah, ça y est. Viens. Oh, c'est joli. Il est temps. Comment t'es-tu senti en ce jour si lointain? J'étais effrayé. J'avais les mains trempées de sueur et mes genoux tremblaient comme. J'arrive pas à voir la voix de qui c'est, le héros Basima. Je connais cette voix. Chaque est en train de mal à t'imaginer effrayé. Pondre laisse-moi une... te faire part d'un secret, Basima. Pondre un caca. Du boulot. Qu'est-ce qu'il veut? Rien d'autre qu'agir justement lorsqu'on a peur. Hop, qu'est-ce qu'il y a en vrai? Attends, j'ai vu le rapport d'Annick, Béo, Stelia. Si tu peux vérifier la data dessus lundi. Yes, yes. Alors, c'est Jean-Michel Conta. Ah ouais, c'est ça, ouais. Hop là. Mais ouais, non, je connais cette voix. Dis quelque chose. Coucou. Et c'est un fois que je peux pas aller là? Ok. Bon, ça va, je suis. Ça va, ça brûle pas trop la cire? Hé, hey, je vais te dire un secret. Bon. Ok. Vous pourrez faire un peu de ménage quand même, c'est dégueulasse. Alors pourquoi bleu? Si les autres sont rouges. C'est pas région? C'est leur... c'est comme un maillot? Est-ce que les assassins de Saint-Étienne sont en vert? Ok. Il lui a préparé un sandwich au jambon. T'as fait ce que tu as préparé? Oui. T'as mis du fromage. Basim, ouais. Ibn Israq. Es-tu prêt à quitter ton ancienne ville? Ils sont en train de faire à bouffer. Et emprunter le chemin de l'ombre. Eh ben alors, hey. Je le suis. Je suis un assassin, hein. Es-tu prêt à renoncer à tout ce que tu as cru être? Et prêt à sacrifier tout ce qui t'était cher? Je le suis. N'oublie jamais les préceptes que tu as juré de respecter. Ta lame épargnera la chair de l'innocent. Tu te cacheras au fond de la foule. Tu ne mettras jamais la confrérie en danger. Regarde, une table pour préparer à bouffer, ça. Alors, depuis l'ombre, tu rejoindras la lumière.
Ah, il faut que je me coupe le doigt. Et de la lumière, tu regagneras les ombres. Alors déjà, c'est pas le doigt le plus facile à couper. Déjà. On peut choisir le doigt ? Allez. Genre en plus, il y a l'os à couper et tout, tu sais. Ça va, Basim ? Ça va, c'est pas trop mal. Basim Ibn Ishaq, tu suis à présent la voix de l'aigle. Mais il est prêt comme ça, t'es genre. Ouais, ça va, c'est sympa, merci, hein, voilà. Je te déteste. Mal. Mon petit doigt. Ah ouais, l'âme de grande qualité, ouais, ça, surtout c'est l'arme de grande qualité. Bienvenue chez ceux qu'on ne voit pas. Tu es mort et tu es né de nouveau. À présent, affronte-moi en tant qu'égal. Ok, maintenant on se bat. C'est une tension sexuelle. Je sais plus comment on se bat. Ouais, faut me laver là. Quel bouton pour frapper ? Ah, ok. Tu laisses de nouveau la colère l'emporter. Je ne me rappelle pas t'avoir enseigné ça. Attends. Ok, ok. J'ai retenu la leçon, Roshan. Perds-tu ta concentration? Avec quoi vais-je frapper ensuite? La dague ou l'épée? Allez! Alors. Prendre ça, non? Ok. Ah. Bien joué. Ok. C'est bon, je sais rejouer. J'ai oublié, j'avais oublié. Ménage-toi surtout. Conserve tes forces. Et la voyage. Ouais, ils sont déconnés un peu. Quitter Bagdad en toute hâte. Tiens, bois. Ali. Il a disparu. On l'a emmené en pleine nuit. Qui l'a emmené ? L'ordre. Qu'on l'amène dans ma tente. Je vais m'en occuper. Emmenez-le dans ma tente. Si Ali a disparu, nous voici aveugles. L'ordre a jeté un voile sur Bagdad et ses actions. Nous devons aller à Bagdad. Roshan, Basim, accompagnez Foulad. Partez sur le champ. Ok, hein, Bagdad. Je vous préviens, c'est Bagdad. Ok, j'ai un succès. Cours de chameau. J'ai un joli paysage quand même.
Ah oui, c'est comme ça que ça marche. Et tu l'as montré tout à l'heure déjà. On part en vacances. Pas du tout le type de climat que j'ai en ce moment à Montréal. Hein. Il annonce moins 7 ce week-end. Allez, de retour à Bagdad. Voilà. Un peu crevé moi cette semaine. Hein. Il est parti combien de temps en fait? Nous devons y aller. J'aimerais jeter un coup d'œil d'abord, si cela est possible. Je désire voir Bagdad et ses environs. D'accord, mais ne traîne pas. Nous aurons beaucoup à faire une fois à Harbiya. Cherche une cour couverte de treillage près de la mosquée de Shari. C'est là que nous recueillons ces informations. Pourquoi les ombres des chameaux sont carrées? Bon, monte. Où mon cœur va-t-il me mener maintenant? Ah, ça se pilote bien le chameau. Ah, c'est bête pas ça. Ok. Hop là, roulade, parcours. Parcours. Il drift. Alors, bon, on va se balader un peu. Deux petits flamants roses, c'est mignon. Appelez-le. Montre-moi ce que tu vois. Non, je veux pas. Ouais. Il y a un mec qui a refait ça avec les yeux, c'est très bon ça. Allez, on va prendre le chameau. Et quand tu cours, tu te penches. Si tu te penches, tu vas plus vite. Allez. Allez. Petite balade de chameau. Alors, je vous préviens, hein, on va se faire un peu en ligne droite le jeu parce que j'ai pas forcément envie d'y passer des plombes. On va pas le 100% comme on a fait avec Zelda quoi. Hop là, 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 là. Pilou pilou pilou, pardon les enfants. Tant de visions familières. Ravi de te revoir, Bagdad. Montre-moi donc ce que j'ai manqué. C'est quoi, je me dis, c'est ça qu'il faut faire? Allez, interagir. Codex mis à jour, ok, on s'en fout. Bah non, on va pas piller les gens. Ok. Non, loupé. Coucou. Ok, ouais, ça va là. Hein? Fabrique de métaux. Ah,
Ça va, belle la vie là, ça va, ça grandit pas trop. On se trempe les pépés. Bon. Mon écran n'a pas une... Cet écran-là n'a pas une... Comment dire, on va mettre sur cet écran-là qui a une meilleure... Ah ouais, et pouf, ouf. Bon, on voulait pas jouer sur cet écran-là parce que la contraste, elle était un peu palote sur l'autre. Donc je vais switcher ça. Hop là. Ah merci pour le lien, je regardais ça. Ah. Observe bien. Ok. Déteste le fumier. Et alors, c'est plutôt joli quand même, hein. C'est très agréable, très coloré. Bah oui. Pourquoi passer par dedans ? C'est par là, ça sera plus simple. Merde, ok, c'est par là. Ah mais c'est là. Ok. Allez, première mission. En tant que vrai, c'est ça. C'est ça, un bureau de ceux qu'on ne voit pas. Je m'attendais plutôt à un taudis. Mais certains. Bah non, bureaux on a du blé. Et d'autres sont ornés d'or fin. Peu importe la nature du lieu, ce qui compte est que notre présence demeure un secret. T'as pas l'air long ce que tu portes. Ce qui est assurément le cas ici. Vous avez découvert quelque chose d'utile ? Ah ouais, non, ça avait pas l'air du rien tout. Rien qui indique où pourrait être Ali. Mais... Nour était en lien avec un dénommé Béchi. Un nom que je connais comme étant celui de l'un des plus proches alliés d'Ali parmi les rebelles. Il travaille sur les quais, au port supérieur. Vois s'il se trouve dans les parages. Peut-être a-t-il découvert pourquoi Ali a disparu. J'ai trouvé quelque chose. C'est chez toi. Il semble quelque chose. Que Nour ait tracé le plan de ce quartier. Il a indiqué les ateliers au nord. Qu'est-ce qu'on y trouve ? Des sympathisants des rebelles. Si Nour a eu des raisons de s'y rendre, c'est une piste qu'il faut creuser. J'ai compris. Cette mais piste. J'étais pas censé assassiner les gens, pourquoi faut creuser ? Mais au moins, c'est un bon début. Foulad et moi allons tâcher d'en apprendre davantage. Sois prudent. Promis. Allez. Je peux pas sortir par là. Ah. Non, ok. J'ai assez traîné comme ça. Oui, mais oui. Roshan et Foulad doivent probablement m'attendre au bureau. Je veux pas interagir ça? Ah, vraiment que j'ai oublié. Ok, vraiment que je fasse ça.
dans ça. Ah ouais, tant que j'avais pas débloqué le truc, je pouvais pas. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il pu intéresser Nour? Ses habitants soutiennent discrètement les rebelles. Des gens ordinaires, des ouvriers, des marchands. D'ailleurs, à bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact. Bon, préparez bien votre jeu, votre jeudi soir, hein. On va passer la soirée ensemble. Je vais mettre ma plus belle chemise. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe. Oh, c'est bon, je peux me barrer. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier? Non, non, je, non, non, non. Ses habitants soutiennent d'ailleurs. À bien y penser. J'ouvrirai. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Chalet? En quoi a-t-il pu intéresser? Ses d'ailleurs. J'ouvrirai l'œil à la recherche. Hey, fous-moi la paix. Et elle grimpe. Ouais, bah oui, mais quand même. Donc tu es deux jours toi sur Toulouse ou? Ou tu y vas qu'une seule journée au TGS? Alors. Bah que demain, ok, parce que ça fait quand même une petite trotte. C'est vers là, je dirais. Offre-nous une meilleure vue. Ok. Alors, deux heures de route. Ok. Ok, t'as quand même pu te faire héberger. Après c'est vrai que ça doit te coûter cher avec la dédicace, l'entrée a vachement augmenté en plus. Bonjour. Alors Tannery. Ils sont talents hein. C'est par là. Un petit instant. Delouis. Hey. Basim. C'était réel ça. Azizi, moi qui te croyais mort. Je te croyais mort aussi. Eh oui, mais c'est le prix. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, il faut nourrir la retraite, hein. Tu... Faut payer la retraite de ce vieux monsieur. Tes vêtements, tu es devenu l'un d'eux. Mais comment? Un de ceux qu'on ne voit pas, oui. Grâce à Roshan. C'est comme ça, c'est très, très secret, ça. Pardonne-moi, c'est une sacrée nouvelle. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. J'ai passé bien des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je suis pas sûr qu'elle aille soit pour grand-chose, malheureusement. Ce qui est arrivé cette nuit-là n'était pas ta faute. C'était celle d'hommes malfaisants. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad. Ah, tu fais quoi Bagdad ? Ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie. Je le méprise, mais nous avons un ennemi commun.
que je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi c'est vrai. C'est donc toi le marchand rebelle qui est Dénour. Qu'est-il devenu? Il s'accroche à la vie. Mais il est en sûreté parmi les nôtres. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. J'ai fait un peu de place. Allié Dénour a approché l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais peut-être, il a disparu. Je peux enfin étendre un peu mes pieds. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. Et sais-tu où il est détenu? Au poste. Et sais-tu où il est détenu? Comme toi? Mais c'était il y a des semaines. Tu t'en vas même comme eux maintenant. C'est-à-dire vers la porte? Te revoir m'a fait plaisir. Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre, mais je suis resté mère poule. Et Bassim, si tu te sens par hasard la main, disons, leste, viens me voir. Ton aide me serait utile pour la bonne cause. C'est bizarre au niveau du jeu. Bon. Allez, 400 mètres par madame. Teinturier. Je pourrais au moins avoir la tenue colorée en rouge. Je suis déçu. De hauteur. Ok. Ils ont du mal encore avec les tissus. Hein. Et pourquoi? Non, mais où tu vas? Où tu vas? Par là. Par là, on a dit. Oui. Allez. Ok. Tu vas filmer un peu le TGS? J'imagine que oui, c'est après la GoPro. Le calife désire rappeler que toute contestation d'une décision de justice sur le territoire du califat doit être adressée au Mahalim où la plainte sera enregistrée et traitée. Tendez l'oreille, okay. Potentiel voyageur. Alors, tu vas essayer, ouais. T'as prévu de faire à peu près, enfin, de faire une vidéo particulière ou... des interviews, des vues de foule, du cosplayer ou quoi. Voici l'avant-poste où Ali a été emmené. Okay. Je suis invisible, vous levez pas la tête. Non. Alors. Bah c'est cool. Ça peut faire des trucs sympas pour TikTok. Merde.
Ok. Là, c'était la discrétion. Ok. Pour la discrétion, on reviendra. Autorisé, on s'en fout. Alors. Allez. Ok. Oh, ça va le faire, t'inquiète pas pour Fred, là. Aïe. Tu es assez près comme ça. Bon. Attends, on va se cacher. Ils vont oublier si je me cache dans les foins. Voilà. Et pas peur de Fred, hein. Alors, c'est bon ? Tu peux pas le regarder. Oui, petit Simon. Ok. Ils ont tous repopé ou quoi? C'est ça que je voulais. Alors Jean-Michel avec la clé et de l'autre côté, ok.
Ah, le coffre là. Ok, ça c'est bon. Alors, on a dit que... Salut papy! Alors attends, on va vous passer en plein pot. Salut papy, comment ça va? Ça roule? Ça a fini de. Ça t'a fini de récolter tout le maïs ou quoi? Tu vois, nous on est. Bah écoute, pas mal. On est sur Assassin's Creed, on se prépare. On se fait ce petit live en se préparant hop les fêtes de fin d'année là, ok. Hey, merci pour le follow. On se rapproche gentiment des 900, l'objectif là d'arriver. Comment ça griller. Là, on se prépare gentiment à approcher les fêtes de fin d'année, on espère arriver à 900, ça pourrait être cool, un bon cadeau de Noël, ça serait pas mal d'arriver à 900. Voilà, donc salut à l'aventure. c'est ça, on est pris par le sentiment, surtout que maintenant que vous êtes là, on en profite. On va faire donc dans 15 jours, il y a les Game Awards, le 7 décembre, on fait une soirée spéciale à partir de 23h. Pour suivre ça en direct, et il y aura des cadeaux à gagner, notamment des t-shirts Ubisoft, il y a une Dreamcast à gagner, des comics et tout un tas de petites babioles. Du coup, écoutez, gardez la date en tête et puis rejoignez-moi le 7 au soir, comme ça on se fera une petite soirée sympa. Et puis mon petit doigt me dit qu'on aura peut-être la première bande annonce de GTA 6. Ça pourrait être cool de découvrir ça en live, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça? Non, pas bagnole, babiole, mais des babioles comme... Regardez-moi ça. Là, c'est... Ça, c'est le truc le plus culte. Je peux vous faire gagner un t-shirt Skull and Bones de chez Ubisoft. Du jeu que sortira peut-être jamais. Où j'ai des... notamment un t-shirt Dev Team de Watch Dogs. Donc ça peut être cool à se gagner ça ensemble, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, regardez, même j'ai top t-shirt de Far Cry New Dawn. Mais et puis il y aura plein de trucs cool là. Regardez, je vous fais gagner également. Ah si, c'est ça que vous me demandez la dernière fois. Hop, j'ai un micro à vous faire gagner. On gagnera ça également. Donc c'est Noël. Enfin, le stream de Noël, je vide les placards, je vous fais gagner des trucs. Il y aura plein de trucs à gagner. Donc, en plus, on va passer une soirée à bouffer du rêve avec des annonces de nouveaux jeux vidéo. Je pense que c'est la bonne occasion, non? Allez, on repasse sur le jeu. C'est pas la musique. Infirmé, donc on a Jean-Michel à buter là. Popo, alors oh non, je t'assassine. Oh, t'inquiète pas. Laisse-moi donc garder cette clé pour toi. Ça va? Oui, il se repose. Il est très fatigué. Il est en train de lire. Il a une super pause. Alors, c'est ça. Bah, écoute. Promis, donc là je te le dis, là c'est le 7, donc c'est pas jeudi qui vient, le jeudi d'après. Mais je te prends un petit message. Comment ça, moi j'ai besoin d'aide? C'est toi qui... Ok, pardon, c'est le mec en prison, ça va. Merci.
T'as rien à piquer, t'as la cache toi? Ok. Et je vais vous habiller pour l'hiver. On a quelques t-shirts à gagner et le gros lot de la soirée, enfin pour ceux qui aiment le rétro, la Dreamcast. Non mais t'inquiète pas, je ne manquerai pas de t'en faire part. Je peux pas grimper là? Ok. Alors, trouver tous les... Ah, il faut que je trouve tous les registres, c'est un truc à faire quand même. Ok. Allô? Alors. Ok. Non, non, je sors de là. Ok, personne. Y'a personne. Non, tu m'as pas vu. Voilà qui ressemble à un logement de scribe. Ok. Allez. Il est discret quand il pique des trucs, lui, il fait tout tomber. Une liste de prisons. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Allez, on fait tout piquer. Alors, voyons. Il me faut un jeton de marchand. Ah, les salauds. Ok, j'ai piqué tous les trucs. Non, c'est bon. Alors. L'enquête. Ça s'est fait, ça s'est fait. Il faut que j'aille là. Allez, on se barre de là. Allez, Taïo. Coucou. Alors. Pas de scène, d'accord? Oh non, je suis parti. Discrétion. Discrétion, c'est mon deuxième prénom. Moi aussi, je sais. Bonjour, messieurs. J'espère que ça va bien. Alors, on s'en fout des négociants. Voilà. Normal. Non, c'est pas ça. Wouhou! Attends. Examine les deux. Ah, mais c'est bon, c'est où c'est? C'est bon, c'est où c'est? Là. Bim. Ok, c'est parce que je voulais faire du tout. C'est où? Que vois-tu, mon ami? Ok, c'est pas là. Allez.
Béchi, l'allié proche d'Ali. Peut-être en sait-il plus. Je dois le chercher près du port. On l'a trouvé, on l'a trouvé. C'est peut-être Béchi qui rallie ses hommes. Car si l'un d'entre nous tombe, c'est son voisin et personne d'autre qui l'aidera à se relever. Coucou. Nous avons été diminués, divisés. Mais ici et aujourd'hui, nous tenons. Tu veux pas me parler ? Tant que nous resterons en vie. Ok. Tu vois, Béchi ? Je suis un allié de Nour. Tu le connais, n'est-ce pas ? Je le connais, oui. La dernière fois que je l'ai vu, il fuyait la ville comme une souris. Ils ont un casting pas mal. À peine. Mais il est en sûreté. Cette vieille mule. Comment dois-je t'appeler ? Bassim. Appelle-moi Jean-Michel. Très bien. Bassim. Dis-moi, as-tu une autre lame que ce couteau à beurre ? Tu pourrais avoir besoin de quelque chose d'un peu plus efficace. Ah, il veut me vendre des trucs, lui. Vous comptez aller chercher Ali ? Pas encore, non. Il n'y a ici que la moitié de mes hommes. Les autres sont retenus au port, un peu plus loin. Ouais, derrière, quoi. Nous sommes probablement trop peu pour lancer un assaut. Alors, si tu veux libérer tes hommes, mieux vaut jouer de prudence. J'irai, discrètement. Que ces hommes attendent ici, pour escorter ceux que nous libérerons. Vous avez tous la même manière de penser, mais le plan est bon. Bah si tout le monde pense pareil, c'est que oui, c'est que voilà. C'est ce qu'on appelle un consensus. Ouais. Port supérieur. J'espère que la viande est bonne. Ah ben je crois qu'on l'entouvera pas lui. Il est tombé ou ça se passe, il est où? Ok. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure de mourir. Ouais. La discrétion, elle est pas là. Merde. Allez, hop, on fait dodo. Une plume de pan. Ok, alors. Arrête d'appuyer là. Ok, il y a un gars là. Il y a du loot. Collecté. Alors lui, il passe à côté, il en a rien à secouer. Merde. Ne bouge plus. Tu m'as pas vu.
Allez, saute. Allez sur les quais, retrouvez Béchy. Hop. J'ai pas vu. Et merde. Je suis caché. Allez, grimpe. Mais non. Ok, je suis caché. Bon. C'est toujours bon à prendre. Il y a du monde là-haut. C'est une bonne diversion, ça. Merde. Qui ? Allez, crac ! Ok, discrétion, on y est. Ah non, mais attaque pas les poules. Voilà, tu te calmes. Ils ont trop joué à Zelda, les gars. Oh putain. Ouais. Essayer de la faire un peu plus alors hop, un peu plus subtil. Ça se voit que c'est pas mon jeu, hein. C'est pas mon jeu de prédilection. Après tout, quel est mon jeu de prédilection à part les Lego? Ok, on est de retour là. المدينة
Ok, bon, on disait donc. Il y a un gars qui est là. Ok, alors. Depuis là-bas. Alors. Ok, ils sont morts. Oui, bon, et tout compris, oui. On va en profiter pour récupérer le loot. Pourquoi tu t'es levé? Ah mais sérieux? Il était où lui? Ok. Bon, on va libérer Copa. Merci à vous. Allez sur les quais, retrouvez Béchy. Il y a des trucs, à récupérer là-dedans. Collecter. Hop là. Allez, grimpe. On s'appelle. C'est bien fait ça. C'est là, le fait que... Oh, ok non, ça c'est pas bien fait, mais le fait qu'il ait le pied qui soit resté dessus et pas juste en l'air, ça c'est pas mal fait. Moi tu reviens Jean-Michel? En plus c'est de la brute ça non? Il a fait se péter la gueule ou quoi? Allez, grimpe, allez. Allez. Non. Qu'est-ce que je voulais faire?
Bon. Oui, un cadavre, non, il est mort. Ok, pas du tout. Ok. Il faut que je file d'ici. Non, non, tu m'as pas vu. Allez. Ok. Ninja, c'est ça. C'est bon, c'est le facteur. Si tu te calmes pas tout de suite, je te bute. Hein. Voilà, je l'ai dit. Alors, ils m'ont oublié, c'est bon. Coucou. Ni vu ni connu. Tu veux chanter quelque chose? Non, ça je visais moi. C'était quoi ça? Non, hop. Je suis la nuit. J'aime bien, c'est que Dieu ait pitié de lui. Mais on va laisser le cadavre là. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que tu fais, Jean-Michel? Je dois rester là. Ah. Ok. Mais t'es là bien posé là, t'as l'air confort. Ouais. Alors. Mais non. Oh là là. Attends un peu. Non, pas maintenant. Ok, hop. Merci, mon ami. Hop. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais? C'est moi, qu'est-ce que je fais? Loupé. Nutriments au complet? C'est-à-dire quoi ça? Je peux me barrer par là? Il y a juste des trucs à piquer et puis... Allez. Qu'est-ce que tu voulais? Il y avait un souci? Toi, tu vas balancer, toi! Tiens!
Ouais, mais elle m'a poucave. Bon. Pas déconner non plus. Ok. Alors. Il n'y en a plus. Je dois maintenant les rejoindre. Et bon level up, Grambis. Il y a un coffre là. Mais il est ouvert déjà. Ouais, il est ouvert. Eh bon. Salut copain, bonjour. Bien. Ah, j'ai pied. Tu es tenace, Basim. Je ne fais que mon devoir. Ensemble, nous mettrons fin aux malheurs de cette ville. Ces malheurs sont l'œuvre d'Al-Ghul, celui dont on ne fait que parler sans jamais. Al-Ghul, ma poule. Que peux-tu me dire à son sujet? Il s'empare des ennemis du califat et les envoie creuser dans le désert. Prisonniers, rebelles, ouvriers. Et cool, chercher son design à lui. Une sorte de gladiateur. Ces hommes avaient été capturés en même temps qu'Ali, il y a des semaines, et devaient finir leur vie dans le sable. Pas Ali. Il a été emmené ailleurs. Ils nous ont marqués et séparés. Ali était dans un autre groupe. Il tenait à l'interroger à propos de toi. Et de toi ? De tes amis. Peux-tu me montrer cette marque ? Hop là. Qu'as-tu en tête, Basim ? Ali et Nour se sont suffisamment approchés d'Al-Ghul pour qu'ils le remarquent. Si nous trouvons Ali, il pourra nous mener à Al-Ghul. C'est une solution, oui. Mais il y en a peut-être une autre. Je vais aller où ces hommes étaient envoyés creuser. Et me faire passer pour un prisonnier. Ah, tu es devenu fou. Entêté seulement. Tiens, prends ceci. Que suis-je censé en faire? C'est un jeton de Khidma. Ceux qui en connaissent la valeur feront ce qu'ils pourront pour t'aider. Je vais envoyer ces hommes au moulin à eau, dans les faubourgs du Nord. C'est une place forte rebelle. Tu y seras le bienvenu. Wafakakallah. Barakallah, Ofik. Bon, écoute, on se fait cette mission. On va s'arrêter là. Pour ce soir. Bon, c'est pas mal. Allez, hop. Je vais juste. Ça va sauvegarder automatiquement. C'est bon. Un poil plus court ce soir, mais on va s'arrêter là. On se retrouvera dimanche pour continuer Ishin. Hop, on va lancer ça. On va éteindre la console. Ok. On va lancer un petit raid chez quelqu'un. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé? Qui est Sandar? Pilou Crapou. On va lancer ça chez Pilou Crapou, qu'est-ce qu'on va en penser? Allez, voilà, c'est les petits raids. On retrouve le bouton. Allez, mais bonne nuit à vous aussi. Merci d'être passé. On va... Passez une bonne soirée et on se retrouve dimanche matin. Enfin, dimanche matin chez moi. Allez, on va envoyer chez... Ouais, chez Sandar, il est en rétro. Ah, j'hésite. Allez, puis où? Bon, je fais des bisous, passez une bonne soirée. Hop.
Bonne nuit les copains, merci encore. N'oubliez pas, dimanche. Non, pas dimanche. Ah bah non, pas dimanche. Bah vendredi prochain alors. Salut les copains.